Merci beaucoup, Gabriel Leroux. La question donc que je vais aborder ce soir, c'est celle des rapports entre la demande de justice et la demande de reconnaissance. Faut-il avoir peur de la demande de reconnaissance telle qu'elle est apparue dans les démocraties contemporaines, donc depuis une vingtaine d'années, disons, dans divers mouvements sociaux, politiques également? Cette demande ne laisse pas d'être inquiétante, tant elle s'éloigne de notre conception traditionnelle de la justice. Elle semble tout d'abord résolument hostile à l'universalisme auquel nous sommes habitués, qui demande justement un traitement identique des personnes et des actes dans la mesure du possible. Elle pose au contraire que la singularité, le caractère unique d'un groupe, d'une culture ou d'une individualité mérite le respect et la protection grâce à des droits spécifiques, par exemple les droits collectifs de minorités nationales historiques, à se gouverner elles-mêmes, à protéger leurs traditions de manière distincte, en particulier leur conception de la justice, ou encore les droits culturels des individus à pratiquer leur religion, leur langue. Il nous semble alors bien difficile de séparer la demande de reconnaissance de revendications identitaires, confuses, ambiguës et parfois même extrêmement dangereuses. Cette demande de reconnaissance est d'autre part, semble-t-il, surtout animée négativement par le ressentiment. Ce concept analysé par Nietzsche, ce concept réactif, l'histoire et les injustices passées sont au cœur des revendications, des demandes de reconnaissance et de réparation. Qu'il s'agisse de la condition féminine, qu'il s'agisse des minorités ethniques, raciales, qu'il s'agisse de minorités liées à l'orientation sexuelle, nous avons là des mouvements motivés, semble-t-il, par essentiellement le ressentiment. Non seulement au nom de la reconnaissance, il faudrait préserver une réalité qui n'est pas universellement partagée, de préserver des différences qui n'ont pas nécessairement une valeur universelle, mais la justification s'en trouve dans des drames, dans des exclusions passées, dans des crimes qui ont été commis à l'égard de certains groupes, par exemple. Et le différentialisme va même jusqu'à proposer de nouvelles injustices, semble-t-il, pour réparer celles du passé. Par exemple, le concept extrêmement controversé de discrimination positive. Au fond, la demande de reconnaissance s'opposerait à la justice en voulant maintenir la séparation, la fragmentation entre les groupes humains au lieu de les rassembler dans un monde humain commun, pour reprendre l'expression de Hannah Arendt. L'important dans cette demande, c'est non pas ce que chacun d'entre nous peut partager avec n'importe qui, de manière interchangeable donc, et anonyme, mais ce qui lui permet de s'identifier, donc la notion d'identité, ce qui lui permet de s'identifier à un groupe, à une histoire, une tradition, une culture, des entités, des réalités particulières, irremplaçables, uniques. À cette perception à juste titre négative, je voudrais répondre en disant que il me semble, et c'est ce que j'essaierai d'analyser, il me semble que la demande de justice inclut, à côté d'autres dimensions, une demande de reconnaissance. Et que si la reconnaissance sans l'impartialité est injuste, inversement, l'impartialité sans la reconnaissance est également injuste. J'ajouterai, et je crois que le contexte, l'actualité politique m'y oblige, j'ajouterai qu'il est essentiel pour la conception d'une justice véritablement démocratique, qu'elle inclut, qu'elle comprenne cette demande de reconnaissance au lieu d'en avoir peur et de se réfugier dans un universalisme abstrait. Je voudrais donc réfléchir à la tension qui existe entre la demande d'impartialité d'un côté et la demande de reconnaissance de l'autre, entre deux pôles opposés d'indifférenciation et de différenciation, dans ce qui pourrait être un traitement juste et véritablement équitable des personnes et des actions. Les assauts répétés contre l'universel au nom de la différenciation ne signifient pas nécessairement qu'il faille renoncer à la demande de justice comme traitement impartial des personnes. Ils sont au contraire un rappel que les deux pôles sont inséparables et que la demande de reconnaissance, d'une certaine façon, est elle aussi une demande d'impartialité, mais interprétée en termes respectueux de la singularité, qui est la condition humaine.
En termes donc d'équité, pour reprendre le terme d'Aristote, le terme utilisé par John Rawls de fairness, et non pas de négation de la différence, d'occultation, d'abstraction à l'égard de la différence, comme une longue tradition qui commence avec Rousseau nous l'a enseigné. La demande de justice, bien sûr, est d'abord et avant tout une demande d'impartialité, dans laquelle les différences sont transcendées d'une certaine façon. La demande la plus immédiate et brûlante de justice est la demande de réparation de l'injustice. Citons la plainte de l'Ecclésiaste, « J'errai et je vis toutes les injustices commises sous le soleil et je vis les larmes des victimes de l'injustice et ils sont sans consolation. Et du côté de l'injustice, il y avait la force et ils sont sans consolation. Alors je louais les morts qui étaient déjà morts, plus que les vivants qui étaient encore en vie. Et plus heureux que les deux autres, celui qui n'a pas encore été et qui n'a pas vu l'iniquité qui se commet sous le soleil. » La justice, dans sa dimension métaphysique et religieuse, rencontre comme première figure du mal l'injustice du sort. Cette facticité pure qui n'est en elle-même ni juste ni injuste au fond, mais opaque, et sur laquelle nous n'avons pas de prise, qu'elle soit le fait de la nature ou de l'histoire et des hommes. L'expérience de l'injuste est l'expérience de l'arbitraire, d'un sort incompréhensible. Mais la demande de justice n'est pas qu'un simple cri face au sort cruel. Elle est aussitôt immédiatement demande de sens, demande d'intelligibilité. Elle renvoie à un horizon de sens qui protège justement de cet arbitraire, peut-être de façon illusoire, qui renvoie à un droit, au règne d'une loi universelle, qu'elle soit divine, naturelle ou seulement humaine, à un ordre que l'injustice a troublé et détruit. C'est seulement par rapport à cet ordre qu'il semble que l'on puisse comprendre la souffrance, la cruauté du sort et peut-être réparer le mal fait. Donc nous trouvons au cœur de la demande de justice cette demande de sens qui transformerait l'incompréhension première et la souffrance pour lui donner une forme. Cet ordre qui désigne la cause et auquel le cœur antique de la tragédie grecque prêtait sa voix pour aider à la catharsis est celui justement de ce que nous appelons la justice. Œdipe, Électre ou Médée peuvent errer sans comprendre la raison de leur sort injuste, mais les spectateurs de la tragédie savent, eux, et c'est ça le point important, que l'ordre naturel ou l'ordre divin a été troublé et demande réparation. La demande de justice marque l'émergence d'une forme de rationalité, la recherche d'un lien causal à tout prix. À défaut de comprendre, d'ailleurs, nous commençons surtout par accuser, ce qui est une autre façon de désigner une cause. Si nous allons plus profond, en effet, ce n'est pas une plainte indistincte que nous entendons, mais une accusation qui est portée par rapport à un tort commis, que nous sommes prêts à nommer, un autre que nous sommes prêts à nommer le bouc émissaire. La première forme de la justice est rétributive. En ce sens, la justice est très loin de ce que nous appellerions la morale. Comme le dit John Stuart Mill, la justice est d'abord un sentiment naturel de ressentiment, qui ensuite seulement a été moralisé, a été canalisé en quelque sorte, de manière à coïncider avec les exigences du bien social, de l'utilité sociale. La notion de justice est avant tout thérapeutique, à la fois de l'ordre social et de l'ordre des consciences troublées. Elle permet de dire, de nommer, d'accuser ou de louer là où il n'y avait que le cri et l'effroi. Cette thérapeutique est basée sur la réparation et non sur la compassion ou la charité. C'est pourquoi la première figure de la justice, elle est très farouche mais compréhensible, de la loi du talion. Et la notion très confuse de mérite tire de là sa puissance émotionnelle en établissant un lien causal, direct, entre les mérites et les récompenses, les délits et les peines. Elle rassure en affirmant qu'un ordre existe malgré tout. Et ici, je voudrais citer Pascal dans les discours sur la condition des grands, quand il oppose la nature et les conventions, quand il appelle à un ordre juste au-delà de la justice humaine. Il n'est pas nécessaire, écrit-il, parce que vous êtes duc, que je vous estime, mais il est nécessaire que je vous salue. Si vous êtes duc et honnête homme, je rendrai ce que je dois à l'une et à l'autre de ces qualités.
Mais si vous étiez duc sans être honnête homme, je vous ferais encore justice et ne manquerais pas d'avoir pour vous le mépris intérieur que mériterait la bassesse de votre esprit. La demande de justice est une demande donc de vérité, d'un absolu qui sous-tendrait les comportements humains, les institutions humaines. Une demande donc d'un critère ou d'un référent universel, permettant justement de dépasser le côté incohérent, le côté purement conventionnel de la justice humaine. D'ailleurs, je pense que ce sentiment très fort, cette demande de justice, dans ces termes très forts, se retrouve par exemple dans une certaine façon de concevoir les déclarations des droits de l'homme comme une sorte de critère ultime, de juge impartial en quelque sorte, au-delà de la diversité culturelle. L'espoir d'internationalisation, d'universalisation de la justice, comme on l'a vu récemment, avec la création d'un tribunal international, qui pourchasserait donc partout, de façon universelle, par exemple les crimes contre l'humanité. Tels sont les soubassements psychologiques de l'idéal d'impartialité, du juge impartial, de la figure du juge impartial. La demande de justice, donc, on appelle un ordre indépendant pour restaurer l'harmonie, restaurer l'ordre perdu, mettre fin à l'injustice. Tout le problème est de savoir de quelle nature est cet ordre impartial et comment le connaître. Je voudrais ici formuler ce qu'on pourrait appeler l'équivalent du serment d'Hippocrate pour le juge. Rendre à chacun son dû en traitant des cas semblables de manière semblable. Deux conditions apparaissent ici. Une exigence cognitive et subjective de la part du juge, donc traiter des cas semblables de manière semblable. Voilà l'exigence d'impartialité, de maintenir le cap en quelque sorte. Et d'autre part, l'exigence ou la nécessité plutôt d'un ordre objectif qui sous-tendrait ce jugement impartial et dont le fondement est soit divin, soit naturel ou rationnel. Donc nous avons deux conditions centrales ici pour cette exigence d'impartialité ou cette définition de la justice par l'impartialité, un soubassement en quelque sorte objectif dans la nature des choses et une capacité du juge à maintenir le cap sur cet ordre préexistant en quelque sorte. Or, nous le savons, l'idée d'un ordre antérieur en quelque sorte au jugement humain, l'idée d'un ordre naturel qui sous-tendrait le jugement humain, cette idée s'est effondrée. Alors je voudrais rapidement évoquer les étapes qui ont conduit au désarroi dans lequel nous sommes face à la demande de justice. Pour le droit naturel classique, il existait, et je cite Cicéron, une loi vraie, la droite raison, conforme à la nature, répandue chez tous les êtres, toujours d'accord avec elle-même, éternelle. Cette loi, exprimant l'ordre même des choses, est distincte de la justice des hommes et aide à la corriger, en nous enseignant quelles sont la place et la fonction véritable de chaque être dans l'ordre hiérarchique de la nature. Pour le droit naturel moderne, des jurisconsultes du XVIIe siècle, cette référence à un ordre préexistant commence à vaciller. Et l'on commence à parler d'un droit de l'homme, de l'être humain, en vertu de sa nature propre. La nature donc reste présente, mais devient la nature humaine. Grotius, par exemple, identifie, à travers la diversité des coutumes, des conceptions de la justice, des éléments permanents, des éléments constants, et il parle ainsi d'une loi naturelle, c'est-à-dire d'une justice intermédiaire qui est caractéristique de l'humanité. Celle-ci se résume à deux propositions. Chacun a le droit de se défendre s'il est menacé, donc le droit à la survie, et nul n'a le droit de nuire volontairement à un autre être humain, sauf en cas de légitime défense.
Mais il me semble que le véritable tournant pris à l'égard de la droite nature, de la droite raison comme la sorte de boussole qui guide notre jugement et nous aide à maintenir l'impartialité, le véritable tournant, en fait, est pris plus tard avec Hume. Hume va opérer une véritable révolution en fondant, si on peut encore parler de fondement, dans la subjectivité humaine, en particulier dans l'affectivité, la capacité à parvenir à un jugement impartial. Pourquoi être juste, se demande-t-il? Pourquoi respecter ses promesses, obéir aux lois? Pourquoi protéger la propriété privée si, comme nous le venons de le voir, ni la nature ni la surnature ne sont plus là pour nous y contraindre? Il voit la source de la demande de justice à la fois, et c'est ce qui est remarquable chez lui, dans une référence à l'intérêt personnel, un calcul rationnel. Ce n'est pas souci de notre utilité bien comprise que nous allons exiger justement cette impartialité. Mais en même temps, l'autre source se trouve pour lui dans la sympathie avec les injustices, les torts subis par autrui, cette sympathie qui va nous conduire peu à peu à limiter notre partialité à l'égard de nous-mêmes. Comment se fait-il, écrit-il, que quand l'injustice est éloignée de nous au point de ne toucher notre intérêt d'aucune façon, elle nous déplaît encore, parce que nous la regardons comme préjudiciable à la société des hommes et pernicieuse pour tous ceux qui approchent la personne qui en est coupable. Ainsi, continue-t-il, l'intérêt personnel est le motif originel de l'institution de la justice, mais une sympathie avec l'intérêt public est la source de l'approbation morale qui accompagne cette vertu. Nous avons donc ici une autre réponse à notre question initiale. Les conditions objectives qui permettent de répondre à la demande de justice se trouvent dans un ordre extérieur, effectivement, mais cet ordre extérieur est un ordre conventionnel, un ordre institué. L'institution de la justice et non plus dans la nature ou la surnature. Et la condition subjective qui permet d'évaluer les cas semblables de manière semblable, de maintenir cette exigence, donc ce qui permet de maintenir cette exigence cognitive, c'est justement la sympathie, le sentiment de partager un même monde humain avec nos concitoyens. Nous sommes donc, dit Hume, capables de converser ensemble en termes raisonnables. Afin donc de parvenir à un jugement des choses qui soit plus stable, et je crois que c'est vraiment ce qu'il entend par impartialité, il n'ira pas plus loin que cela, une stabilité, hein, maintenir le cap, je disais plus haut, nous choisissons, dit-il, des points de vue fermes et généraux, et dans nos pensées, nous nous y plaçons toujours, quelle que puisse être notre situation présente. Donc c'est à partir de la subjectivité même que cette capacité à un point de vue général et impartial se réalise. Et je verrais volontiers dans cette intervention de la sympathie comme source du dépassement en quelque sorte de l'intérêt particulier pour passer à l'intérêt général, une anticipation sur les demandes de reconnaissance contemporaines. La justice n'est pas tout entière du côté de la distance et de la dépersonnalisation. Je crois que le grand mérite de Hume a été justement d'insister sur la capacité de généralisation et d'élargissement de notre monde privé vers un monde commun qui se trouve dans l'affectivité. Et Hume conclut, à partir de ses analyses, que bien qu'elles soient artificielles, les règles de justice ne sont pas arbitraires. Voilà le point absolument crucial. Malheureusement, le positivisme juridique qui est apparu dans le tournant du siècle, du XXe siècle, ne retiendra de ces analyses qu'une partie, à savoir que la justice est affaire de convention, ce que les sophistes grecs disaient déjà, bien entendu. Ces conventions constituent une construction, une institution, donc, qui entre en concurrence avec la réalité morale ordinaire à laquelle nous sommes habitués et qui devient autonome par rapport à elle. Nous assistons à un divorce du droit et de la justice. Et je vous donne un exemple assez frappant. Prenons un exemple comme celui du vol.
Et comment justement l'analyse juridique répond à la demande de justice. La captation d'informations, cet agissement qui pour le sens commun est un vol, peut-elle recevoir ou non la qualification juridique de vol? Selon les textes, positivisme juridique, l'objet du vol doit être une chose corporelle. Dès lors, le fait de dérober une information, chose incorporelle, ne sera pas pénalement sanctionné. C'est un exemple que j'emprunte à William Baranes dans son ouvrage collectif, donc La justice parue aux éditions Autrement. Le positivisme juridique, donc sous prétexte d'impartialité et d'une certaine scientificité, a conduit à séparer radicalement la demande de justice et le droit et l'institution. Et la réponse, en termes juridiques, nous paraît donc profondément insatisfaisante. Je vais conclure cette analyse donc de la justice comme impartialité par une présentation d'une analyse différente, enfin qui renouvelle la question, qui se démarque aussi bien du droit naturel que du positivisme juridique et qui en particulier s'écarte du formalisme. Je veux parler de ce qu'on appellera la justice procédurale au sens de John Rawls et de Habermas dans son dernier livre sur le droit. La condition subjective d'impartialité, la condition cognitive d'impartialité peut s'exercer sans s'appuyer sur un ordre indépendant, celui du juste en soi. Tel est le problème. Il s'agit d'une modification essentielle de l'idéal d'impartialité, puisque, comme le dit Rawls, il faut cesser de confondre impartialité et dépersonnalisation. C'est-à-dire que pour être impartial, il n'est pas nécessaire de mettre entre parenthèses ou d'abstraire le caractère personnel de la situation, de la conduite et de l'objet à juger, en quelque sorte. La demande de reconnaissance va alors pouvoir s'inscrire dans la demande de justice grâce à cette notion d'équité. Je vais donc examiner ce point un peu plus en détail. La première caractéristique d'une justice procédurale, c'est l'absence de critères indépendants pour évaluer donc le jugement. Mais par contre, nous savons ce qu'est une procédure équitable, une procédure valable, pour arriver à un résultat satisfaisant. Si nous prenons l'exemple des jeux de hasard, nous savons qu'une procédure acceptable, une procédure équitable, suppose qu'il n'y a pas d'interférence extérieure, qu'il n'y a pas de tricherie, que les coups sont joués de manière honnête, et donc le résultat qui sera lié au hasard sera acceptable par les deux parties, puisque tous ont des chances raisonnables de gagner. C'est donc la structure de la situation qui va se substituer à l'idée d'un critère indépendant. Voilà l'idée essentielle d'une justice procédurale. Et on voit tout ce qui sépare une simple justice formelle, qui consiste simplement à traiter des cas semblables de manière semblable, d'une conception procédurale de la justice, ou des contraintes morales, en particulier le respect du caractère distinct des personnes, de leurs demandes, en particulier leur demande de pouvoir bénéficier de la décision finale, viennent donner un contenu substantiel au jugement. En quelque sorte, une justice procédurale n'est pas une justice formelle, loin de là. Le deuxième, puisque, si vous voulez, ce que je dirais, c'est que l'équité est une certaine manière de se traiter les uns les autres, de se respecter les uns les autres, comme justement quand nous jouons un jeu, nous nous respectons en tant que partenaires de ce jeu. Eh bien, la métaphore, bon, vaut ce qu'elle vaut, mais l'idée ici essentielle est celle de respect. Et pas du tout en mettant entre parenthèses le caractère situé, singulier de chacun. La deuxième caractéristique d'une justice procédurale est l'existence, liée à ce que je viens de dire, d'une communauté de justification qui seule donne un sens à une procédure équitable. Il faut vouloir jouer ensemble. Il faut vouloir coopérer. Étant conçue pour réconcilier grâce à la raison, la justification a son point de départ dans ce que tous les partenaires de la discussion ont en commun.
Donc on peut parler d'une justice procédurale que si les contractants ou les personnes intéressées veulent se reconnaître mutuellement. Donc si vous voulez, la demande de reconnaissance est déjà sous-jacente dans cette idée d'équité. Deux interprétations ont été données de cette conception de la justice. Ou bien on comprendra l'impartialité comme simplement un effort, pour mettre entre parenthèses les cas particuliers. Et c'est la conception classique et à mon avis facile de la justice et de l'impartialité comme abstraction. Ou bien, et c'est l'interprétation que je propose, que je privilégie ici, l'impartialité suppose l'adoption en réalité du point de vue de chacun et non pas du point de vue de personne. Et donc, si j'accepte de jouer le jeu, en quelque sorte, de façon équitable, eh bien c'est parce que je me mets à la place, je suis capable de me mettre à la place de celui avec lequel je joue. Donc, adopter la position de chacun et non pas la position de personne, comme dans la conception classique de la justice. L'impartialité, alors, devient pleinement une vertu, et pas simplement une distance ou une abstraction. Puisqu'il ne s'agit pas de simplement appliquer aveuglément une même règle à des cas apparemment semblables. Et je cite ici un extrait d'un philosophe américain contemporain, Tim Scanlon, qui s'est beaucoup intéressé à ce que nous nous devons les uns aux autres, qui met au cœur de sa philosophie morale l'idée de ce que nous devons les uns aux autres. Un test pour savoir si une justification est suffisante, puisque c'est au fond, j'ai fait une digression, mais tout ce que nous avons à notre disposition, puisque nous n'avons pas de critères extérieurs et transcendants de justice, c'est ce que chacun va reconnaître comme justifié. Donc, un test pour savoir si ce genre de justification est suffisante consiste à voir si on l'accepterait toujours en étant à la place d'autrui. L'harmonisation des jugements demande la construction d'une forme réellement interpersonnelle de justification, qui soit néanmoins acceptable pour chacun. Et juste donc, ce qui est jugé comme tel à partir d'un point de vue impartial défini de manière interpersonnelle, comme je viens de le souligner. Mais cette conception de l'impartialité ne va pas assez loin pour beaucoup de critiques de la justice procédurale, en particulier des critiques féministes, très sévère à l'égard de la notion d'impartialité, et aussi des critiques dites communautariennes, c'est-à-dire qui sont soucieuses de rappeler la place essentielle de l'identité culturelle. Je vais les évoquer rapidement maintenant et montrer pourquoi, pour certains, l'impartialité peut être injuste. Un exemple tout à fait frappant a été maintes fois utilisé, mais je le reprends, c'est celui que Charles Taylor présente dans son livre sur le multiculturalisme, en prenant qui est celui de la fameuse loi 101 au Québec. Bon, vous êtes certainement familier de la situation québécoise, c'est-à-dire société distincte francophone dans un océan anglophone. Qu'est-ce que la demande de justice peut vouloir dire dans un tel contexte? La loi 101, qui a choqué beaucoup de démocrates, autorise une atteinte aux droits constitutionnels en interdisant, en particulier, l'affichage commercial en anglais au Québec, en interdisant aux immigrés récents d'envoyer leurs enfants dans des écoles anglaises, en les obligeant à apprendre le français. Donc, si vous voulez, la loi 101 représente un ensemble de mesures spécifiques destinées à maintenir l'identité distincte du Québec, son identité francophone. On ne comprend pas les motivations qui se trouvent à la base donc de cette décision politique, si justement on fait abstraction de la singularité de la situation québécoise. Donc, cette atteinte au droit constitutionnel semble justifiée, si vous voulez, au sens que j'ai indiqué, pour certains, puisque en fait, être impartial vis-à-vis de la francophonie au Québec revient à commettre une injustice,
L'impartialité qui voudrait contourner les conflits existants entre francophones et anglophones au Canada, en fait, par l'abstraction, se trouve prise à son propre piège puisqu'elle a pour résultat de favoriser ceux qui sont déjà en position de force ou majoritaire, dans ce cas les anglophones. Ici, donc, une forme de discrimination positive, un volontarisme s'impose pour maintenir l'existence d'une communauté distincte qui demande justement à exister, à continuer à exister et qui est en danger. Un autre exemple différent mais qui développe la même idée, à savoir que l'impartialité conduit à l'injustice, est celui que développe Elisabeth Zoller dans un livre remarquable sur l'évolution des droits civiques des Noirs aux États-Unis. La citoyenneté des Noirs américains a fait beaucoup plus de progrès quand on a renoncé à l'idéal d'un traitement égal, de manière abstraite, neutre, ce qu'on appelle colorblind par l'État, en faveur d'une reconnaissance de la réalité historique de la discrimination, de la ségrégation et des handicaps à surmonter. Elle constate ainsi que, dans la seconde moitié du XXe siècle, la conception que la Cour suprême américaine s'est faite du principe d'égalité a oscillé entre deux points de vue. L'un qui voit l'égalité liée au statut d'un groupe, l'autre qui ne la conçoit que comme un droit individuel. L'ensemble des écoliers noirs en tant que groupe a un droit à ne pas être systématiquement exclu des écoles fréquentées par les écoliers blancs. Voilà, si vous voulez, une manière d'interpréter la notion d'impartialité en insistant sur la singularité de l'histoire de certains groupes sociaux. Mais maintenant, dit-elle, une majorité à la Cour suprême a une lecture différente de l'égalité, de celle qu'elle avait il y a 30 ans. Elle est repassée de l'égalité réelle à l'égalité formelle. Elle est revenue à la lecture qu'elle faisait autrefois de ce principe, quand elle se refusait à lire les dimensions culturelles et sociales de l'égalité. Quand il s'agit de revendication à l'égalité, il n'y a pas en effet de réclamation qui soit purement individuelle. La raison en est qu'on n'est jamais égal tout seul. Donc, si vous voulez, l'impartialité de la Cour suprême, qui se réclame dans ses jugements d'un idéal d'égalité abstrait, indifférencié, a en fait conduit à commettre de nouvelles injustices. La conclusion de ces deux exemples est que, pour certains, donc, la seule impartialité ne suffit pas, que la demande de justice doit inclure une demande de reconnaissance. Ce qui va introduire le pôle de la différenciation au sein même de la justice, de la demande de justice. Je crois que ce qui fausse ici l'analyse, c'est l'absence de réflexion sur ce que j'appellerais le sophisme essentialiste. Le sophisme essentialiste consiste à traiter la différence, la distinction, l'identité distinctive, par exemple, du Québec francophone, par exemple, de la condition des Noirs américains, à la considérer comme une entité permanente, comme une essence, comme quelque chose qui doit être préservé tel quel, si vous voulez, en quelque sorte réifié. Et je crois que c'est là, si vous voulez, la faute de raisonnement, le sophisme, qui, aussi bien pour les opposants à la demande de reconnaissance que pour certains de ces avocats, fausse le débat. Et je soutiendrai que la reconnaissance sans l'impartialité devient injustice. Parce que la reconnaissance sans l'effort d'impartialité, justement, oublie, ce que j'analysais à l'instant sous le terme d'équité, oublie qu'il s'agit de prendre le point de vue ou d'occuper le point de vue de chacun et non pas d'une entité abstraite ou de se détacher justement de la personne. Le sophisme essentialiste est celui justement qui est ce qui conduit à la ségrégation, à la fragmentation, à la réification des cultures et des groupes. Par contre, grâce justement à cette exigence d'impartialité, nous allons pouvoir maintenir le cap et reconnaître que les cas semblables doivent être sans cesse réinterprétés, traités de manière semblable des cas semblables. Tout le problème est de savoir en quoi ces cas sont semblables. Et là, je pense qu'il n'y a justement pas d'essence. Les cas semblables ne le sont que qu'à travers des réinterprétations permanentes. Donc, le point de vue que je propose pour conclure,
c'est que la demande de reconnaissance a sa place dans la demande de justice à deux conditions. Tout d'abord, que cette demande de reconnaissance s'adresse à l'individualité morale et non pas aux groupes et aux cultures et aux traditions en eux-mêmes. C'est seulement indirectement, de manière instrumentale, je dirais, que, par exemple, dans le cas du Québec, la langue française, la culture francophone, l'identité francophone doivent être maintenues. Non pas parce qu'elles auraient une valeur en soi, mais parce qu'elles constituent des éléments essentiels, je ne devrais pas employer ce terme d'essentiel justement, des éléments importants de l'identité de l'individu. Et c'est ce point que je voudrais analyser maintenant. Donc c'est le premier argument que je présenterai. Ce n'est pas au nom de la diversité que la demande de reconnaissance peut être inclue dans la justice, mais c'est parce que cette diversité est partie intégrale de l'identité personnelle. L'identité de la personne n'est pas simplement une identité factuelle. Les valeurs et les projets, les appartenances, les engagements qui caractérisent chacun d'entre nous participent de cette identité, constituent ce qu'on appelle l'identité morale. Il y a une solidarité absolument centrale entre identité personnelle et identité morale. Et c'est ainsi seulement, c'est par ce biais, si vous voulez, que nous pouvons introduire la dimension culturelle, la dimension historique. Non pas en eux-mêmes, mais en tant qu'instrument d'autodétermination, d'autoréalisation de l'individualité. Le deuxième, donc, argument qui doit nous conduire à inclure la demande de reconnaissance dans la demande de justice, c'est que, effectivement, le respect de la dignité individuelle passe par le respect et la reconnaissance pour les identités collectives dont il se réclame, le groupe ou la communauté à laquelle il appartient, et qui sont blessés, humiliés, quand lui-même est traité injustement. Au fond, ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu de parler d'individualisme comme d'un atome coupé de tout contact, replié sur lui-même comme une sorte de monade, je voudrais parler de l'individualité moderne comme justement définie sans arrêt par rapport à un horizon de sens, à un horizon de valeur qui est détruit, menacé ou affaibli quand l'individu est maltraité. Ce deuxième argument, bien sûr, est celui qui est à la base de la demande de création de nouveaux droits culturels et collectifs qui sont justement, qui commencent à être inclus dans la Charte européenne des droits de l'homme. Tout le problème est là d'être extrêmement clair sur la démarche. Tout le problème, c'est de refuser que la reconnaissance du groupe l'emporte sur la reconnaissance de l'individualité morale et de ses besoins. Si vous voulez, la grande difficulté, c'est que nous refusons donc de couper l'individu de ses racines, en quelque sorte, en montrant à quel point nous ne pouvons être nous-mêmes que par rapport à un horizon de sens et de valeur, mais en même temps, c'est l'individu et sa liberté, sa possibilité de dire non, de changer, de modifier cette appartenance qui est absolument centrale. Donc, tout le problème pour cette transformation de la demande, de la conception de la justice, c'est d'inclure la demande de reconnaissance, mais comme une demande liée à la dignité et aux besoins de l'individualité. Donc il est tout à fait légitime de transformer la notion légale que j'évoquais plus haut d'injustice, comme simplement le non-respect des droits, en faisant intervenir une expérience humaine beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde, qui est celle de l'injustice comme mépris, non plus simplement de l'injustice en termes juridiques ou en termes purement sociaux, mais en termes également culturels, celle du mépris, celle de la négation du statut moral de l'individu à travers l'humiliation de sa culture, de son histoire. Il est essentiel, comme je le disais pour commencer, qu'une conception démocratique de la justice
inclut cette demande de reconnaissance au lieu de se réfugier dans l'universalisme abstrait, mais elle ne peut rester démocratique que si elle maintient la prééminence de l'individualité. C'est au nom du respect pour l'individu que la reconnaissance de l'identité culturelle peut faire partie de la demande de justice. Je conclurai en disant que cette demande de reconnaissance, je n'ai pas le temps de le développer bien sûr ici, mais cette demande de reconnaissance peut enrichir et transformer la conception traditionnelle de la justice comme impartialité, qu'elle ne la détruit pas nécessairement, qu'elle peut et doit se combiner avec elle. Il faut comprendre que ce qui est à la base de la critique de la justice abstraite et impersonnelle que j'ai évoquée dans la demande de reconnaissance, ce n'est pas qu'elle méconnaîtrait la diversité. Le simple respect de la diversité en tant que telle ne produira jamais les effets recherchés, ce que demande justement, ce que comporte cette demande de reconnaissance, parce que le respect reste extérieur aux valeurs en jeu et ne transforme pas le rapport au soi. Pire même, la tolérance au sens de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire de l'acceptation de la diversité seulement de manière instrumentale, comme une simple étape vers la découverte de l'unité cachée des croyances, est elle-même destructrice du sens que l'on peut avoir de sa valeur ou de sa dignité, dans la singularité d'une histoire, d'une culture ou d'une ethnie. Il faut aller beaucoup plus loin, vers des formes de tolérance qui reconnaissent que les valeurs sont en dernier ressort incommensurables. L'humanité se réalise à travers des formes de vie, des croyances, des attitudes hétérogènes les unes aux autres et pour lesquelles nous n'avons pas véritablement de critères d'évaluation transcendants. Je crois qu'il faut aller maintenant vers ce qu'on a appelé un universalisme réitératif, c'est-à-dire que l'universel s'incarne sans cesse sous des formes singulières, déroutantes, hétérogènes les unes aux autres. Ce n'est pas la diversité comme telle qui constitue justement le concret, mais la dialectique entre l'universel et le singulier. Donc, les deux pôles de la demande de justice, le pôle de l'impartialité, de l'indifférenciation, et le pôle de la différenciation, doivent être maintenus de manière, si vous voulez, en tension, bien sûr, mais maintenus tous les deux. Une telle analyse, donc, de la demande de justice permet de nouer de manière nouvelle et beaucoup plus profonde la question de la justice sociale et politique avec celle de la construction du soi. Et je crois que parmi les travaux actuels sur cette question, le livre d'Axel Honneth, La demande de reconnaissance, est un des plus intéressants parce qu'il permet de passer de manière graduelle de la demande de reconnaissance à la demande de justice. Il transcende les clivages entre psychologie morale, hypothèse culturaliste et explication socio-économique de l'injustice. La révolte, la résistance à l'injustice ont leur source dans des émotions, des sentiments, comme la colère, l'indignation face au manque de respect, à l'humiliation. Puis, elles s'organisent dans un cadre intersubjectif d'interprétation et d'action. Pour les auteurs féministes, par exemple, les demandes de reconnaissance doivent être intégrées dans la justice sociale, dans la notion de justice sociale. Il est essentiel, justement, de tenir compte des formes d'interaction avec autrui et du souci de soi, parce que la confirmation de soi par autrui est indispensable pour être soi-même. Si vous voulez, je crois qu'il y a ici un point crucial qui est cette façon de nouer l'analyse de l'individualité, de la construction du soi, de l'identité personnelle avec non pas des conditions économiques et sociales extérieures, mais avec une certaine façon d'être traité par la loi, par la justice, par les institutions, par l'État, qui vont ou non permettre justement cette autonomie et ce sentiment de dignité qui est un des droits de la citoyenneté. Motifs psychologiques et déterminisme social sont donc liés d'une manière indissoluble, sans qu'il y ait à établir entre eux de rapport instrumental. Donc le pôle, si vous voulez, personnel, en quelque sorte, dans la demande de reconnaissance, et le pôle impersonnel, dans la justice comme impartialité, doivent être sans cesse liés l'un à l'autre. La demande de reconnaissance n'est pas incompatible avec l'impartialité si nous abandonnons le mythe d'une abstraction, de la possibilité d'une abstraction vis-à-vis des situations particulières. C'est la démarche inspirée, par exemple, par certains textes de Rousseau que nous devons rejeter. La volonté générale et la loi ne sont pas transcendantes par rapport à la réalité de l'individualité, de la singularité.
La demande de justice ne sera jamais satisfaite par une simple négation abstraite du particulier. Dans le passage, l'exigence d'impartialité, nous ne mettons pas entre parenthèses notre situation particulière, mais nous tentons, tant bien que mal, de passer des intérêts qui nous concernent personnellement à ceux qui concernent les autres. Donc, si vous voulez, c'est dans cette relation interpersonnelle que se construit l'impartialité, et non pas en se détachant du particulier et en s'enfermant dans un point de vue de nulle part, un point de vue abstrait. En ce sens, la leçon de Hume que j'évoquais pour commencer reste toujours valable. Le pôle de l'universel se construit à partir du pôle personnel que la demande de justice ne peut ignorer. Merci. Oui, bonsoir. Madame, excusez-moi. Je suis un peu troublée par votre démonstration parce que j'ai le sentiment que dans notre expérience personnelle, la notion d'histoire et de culture sont des éléments que nous acquérons en propre et qui nous permettent d'analyser comment nous sommes arrivés là où nous sommes, mais qui ne doivent pas nous bloquer dans notre manière de progresser dans nos décisions pour le futur, pour nos projets personnels. Et ce que je voudrais comprendre, c'est comment la notion de recherche, de reconnaissance associée à la notion d'équité peut être appliquée face à des particularismes qui se considèrent comme détenant la vérité sur la condition humaine. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Oui, bien sûr. Quand je disais que les valeurs sont incommensurables, que les formes de croyance, les engagements, les appartenances en quelque sorte sont incommensurables, je ne voulais pas du tout m'enfermer dans un relativisme culturel. Simplement, je partais d'un constat que l'espoir d'homogénéisation de l'espèce humaine, si vous voulez, c'est fini. Que la maison humaine commune, c'est la diversité. Bon, ça c'était, si vous voulez, le point de départ. Alors, l'histoire et la réinterprétation permanente du passé pour construire cette identité culturelle, puisque c'est ça ce que nous faisons, peut se réifier, peut devenir effectivement une source de dogmatisme et de défense de valeurs qui sont inchangeables, auxquelles on ne peut pas toucher, bien sûr. C'est un peu ce que j'ai suggéré quand j'ai parlé du sophisme essentialiste. Je crois qu'à partir du moment où on considère une culture comme une réalité vivante, sans cesse en train de se transformer, de se recréer, quand on introduit la notion de liberté, les choses changent complètement. Mais le rapport que chacun a avec son histoire ou sa culture est un rapport personnel. Si vous avez le choix et que vous restez dans une communauté parce que vous pensez qu'elle a la vérité, je prends un cas innocent qui ne pose pas de problème, les Amish par exemple. Hein, qui sont des formes de vie, enfin qui veulent maintenir des formes de vie, une culture qui ne dérange personne, hein, qui n'est pas agressive. Bon, je prends exprès un exemple innocent entre guillemets. Eh bien, là, je crois que dans un contexte démocratique, c'est totalement acceptable. Hein, avec bon, il y a certaines conditions, c'est-à-dire que les enfants doivent à l'école savoir que l'apostasie n'est pas un crime. Que s'ils veulent quitter leur communauté religieuse, ils ont le droit. Bon, à condition que ces droits civiques soient enseignés, hein, bon, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, ce que vous appelez la vérité, le rapport à la vérité, il est partagé. C'est-à-dire que ça peut être un rapport dogmatique, traditionnel, communautaire, ça peut être un rapport critique, personnel, etc. Je ne serais pas inquiète, si vous voulez, pour cet exemple-là. Là où les choses changent complètement, hein, c'est quand les droits civiques, c'est quand le contexte
qui permet la communauté de justification dont je parlais tout à l'heure. Ce contexte est menacé ou n'est pas accepté, si vous voulez. Donc moi, je me suis placée, bien sûr, je n'ai pas insisté là-dessus, mais je me suis placée dans un contexte où le pluralisme est une réalité et est protégé par les conditions, justement, politiques et civiques, c'est-à-dire que nous avons le droit de changer notre système de valeurs, nous pouvons sortir de notre communauté d'appartenance, mais nous pouvons aussi y rester. Donc c'est l'usage qui est fait de la culture qui est le point crucial. Une autre question, monsieur, allez-y. Oui. Oui, quand j'ai vu le titre de votre exposé, demande de justice, demande de reconnaissance, je me suis dit que c'est assez typique de l'approche contemporaine de la justice. C'est-à-dire que c'est basé sur des droits. Et vous avez quand même, à un moment donné, vous avez parlé de la vertu. La vertu, c'était quelque chose dans les discussions d'Aristote sur la justice, c'était quelque chose de plus important. Mais vous n'avez pas vraiment élaboré ce point sur la vertu. Maintenant, si on revient à l'idée de vertu, est-ce qu'on ne revient pas à l'idée de nature quand même, hein, qui est un soubassement à la vertu? Je crois que c'est un petit peu artificiel d'opposer l'éthique de la vertu et une conception de la justice qui part des droits et de l'individualité comme détentrice de droits qu'il faut protéger. Bon, si vous voulez, dans tout ce que j'ai dit, à l'horizon, il y a une certaine conception de l'être humain. Et je l'ai souligné quand même, je l'ai dit assez clairement, je dis que je partais de l'hypothèse de la coopération. La coopération est une des conditions de la demande de justice, si vous voulez. La demande de justice n'a pas de sens si nous n'avons pas quelque chose en commun à redistribuer, à partager, si nous n'avons pas en particulier cet horizon des droits qui sont respectés et les infractions sont punies. Bon. Donc, je suis bien partie d'une certaine conception de la nature humaine. C'est d'ailleurs un des points problématiques. Je me suis donné comme point de départ la possibilité que la coopération existe entre les êtres humains et pas seulement le conflit. Ou plutôt, je suis partie des deux. C'est-à-dire que la condition humaine, c'est à la fois le conflit et la coopération. Et c'est de là que vient cette demande de justice. Bon, ça, c'était un peu à l'arrière-plan. Alors, la vertu comme disposition à aimer le bien, en quelque sorte, à faire le bien parce que on a des engagements affectifs, en quelque sorte. Je crois que j'en ai parlé également quand j'ai parlé de la sympathie comme sentiment naturel qui ensuite permet le passage à l'intérêt commun, à l'intérêt général. Ce que je me suis forcée de faire dans cette analyse, c'était de montrer que la justice n'est pas simplement cette vertu impersonnelle, austère, si vous voulez, qui fait que, comme dans Le Marchand de Venise, on peut être inhumain au nom de la justice. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la prise en compte de l'autre, de sa singularité, de sa situation, fait partie, et la reconnaissance de cette situation, font partie de la demande de justice, et que s'habituer à reconnaître justement cette particularité, c'est la vertu d'impartialité. La vertu d'impartialité, ça n'est pas simplement la capacité de tirer un trait, de dire « j'ignore complètement qui est cette personne, j'applique la loi, la même pour des cas semblables ». Il y a cette possibilité de sympathie, je n'ai pas parlé d'empathie bien sûr, hein, simplement de sympathie qui est là, qui est essentielle. Donc je crois que la distance entre une éthique aristotélicienne de la vertu et une éthique kantienne des droits et des devoirs, cette distance qui par exemple est présente chez Paul Ricoeur, est peut-être un peu, peut-être dépassée si vous voulez. Enfin moi je me sers beaucoup de Hume en particulier, ma lecture de Hume m'aide à faire le lien entre la demande de justice et l'affectivité en quelque sorte. Voilà. Peut-être une autre question. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Allez-y madame. La notion de déni, pourriez-vous la replacer
dans une partie de votre exposé, s'il vous plaît. La notion de déni de justice, c'est-à-dire, vous voulez dire par là le fait de refuser de juger ou de refuser de tenir compte du cas. Je crois effectivement la justice au sens légal ne satisfait pas la demande de justice. C'est ce que j'ai essayé de montrer, que une interprétation purement légale est insatisfaisante. J'ai pris l'exemple de la captation d'informations. Bon, si vous voulez, c'était un exemple assez frappant, mais le problème, c'est que le droit ne peut pas satisfaire la demande de justice. Donc, si vous voulez, vous avez les problèmes énormes que crée la création d'un tribunal international qui va créer des attentes immenses, des attentes de réparation, des attentes de reconnaissance, et qu'elle ne pourra pas, que cette cour ne pourra pas satisfaire parce que nous sommes dans le monde juridique, qui n'est pas le monde de la justice au sens moral. Donc, si vous voulez, le déni de justice, c'est le fait que le cas jugé ne peut pas couvrir la totalité de l'expérience d'injustice. Et je crois que ça, c'est une question tout à fait centrale, effectivement. J'ai insisté sur cette distance entre le droit et la justice et cette incapacité du droit tel qu'il est exercé, tel qu'il est pratiqué, à satisfaire notre demande de justice. Encore une question ? Oui, madame. On vous entend. Merci beaucoup. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça me rappelle les débats qu'il y a eu autour de la notion de parité sur le plan juridique et sur le plan politique. Vous savez bien, puisque vous-même vous êtes au fait de tout cela, à quel point en France la discussion s'est faite non seulement sur la question de l'essentialisme ou tout ça, mais essentiellement sur la question de l'universalité et de la citoyenneté abstraite. Et moi, je crois qu'il faudrait quand même considérer une chose qui n'est pas de l'ordre de la seule diversité individuelle, c'est que toute notion de droit qui tient compte de la justice, elle va se heurter à des rentes de situation. Et là, il s'agit bien quand même de solidarité, si ce n'est de groupes perçus comme tels, mais qui agissent comme tels. Donc, je ne suis pas sûr que la réponse par la diversité individuelle puisse, dans cette situation, être satisfaisante, et pour ma part, je ne l'ai jamais soutenue. Voilà, je voulais vous poser cette question, c'est loin d'être fini ce débat, mais il est fait que nous avons un problème quand il s'agit d'interdictions qui frappent des catégories. Lever l'interdiction satisfait la possibilité d'avoir une jouissance des droits. En revanche, l'exercice, par exemple pour une fonction de représentation, va se heurter à des rentes de situation, et là il va bien falloir savoir comment les résoudre, et on ne peut pas intégrer seulement l'idée d'une diversité interpersonnelle. Je vous remercie de votre question parce que c'est absolument crucial pour ma démonstration. Vous avez tout à fait raison. J'aurais voulu, si j'avais eu plus de temps, j'aurais voulu le développer. Je crois, enfin, mon point de vue que je vous présente pour ce qu'il vaut est que la demande de reconnaissance peut être, en particulier dans ces formes politiques précises comme la parité, peut être un moment. Hein, un moment. Il faut pas la considérer comme une fin en soi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il s'agit c'est ce qu'on appelle la politique de la présence, si vous voulez. Hein, il s'agit d'être présent pour être reconnu. Donc déjà, être visible en quelque sorte, puisque pour qu'il y ait reconnaissance, il faut qu'il y ait visibilité. Donc des démarches politiques, des revendications politiques. La reconnaissance commence par la visibilité, par la présence, et effectivement, là, ça n'est pas une question du tout inter-individuelle, c'est une question collective. Il faut qu'il y ait une représentation possible et une présence politique, et pour ça, bien sûr, c'est l'action politique, le groupe qui doit fonctionner. Mais ce que je veux dire, c'est que cette politique de la présence est un instrument en vue d'une fin. Ça n'est pas une fin en soi. Donc, les revendications, si vous voulez, dans la demande de reconnaissance, il y a beaucoup de choses, c'est très confus. Il y a certainement une insistance pour se faire entendre, se faire voir,
entrer dans le champ public, dans le domaine public, en particulier pour ce qui est de la démarche féministe, c'est absolument clair, mais toutes les démarches des différents mouvements de ce type ont d'abord eu à faire un énorme effort pour entrer dans le domaine public, pour devenir visible. Donc on a identifié la demande de reconnaissance comme d'abord et avant tout une demande collective de reconnaissance de certaines minorités, de groupes qui ont été maltraités, qui ont été humiliés, qui ont été persécutés, etc. Bon. Mais il ne faut pas que cette situation politique cache le fond du problème, qui est que ça n'est pas le groupe qui demande la reconnaissance, c'est l'individu et son appartenance à telle et telle communauté ou groupe ou genre, enfin bon, etc. Donc, ce n'est pas parce que politiquement l'action s'est faite et se fait et continuera de se faire au niveau de groupes de représentation que la dimension inter-individuelle, la dimension sur laquelle j'ai insisté, doit être minimisée ou laissée de côté. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Voilà, Mathieu. Voilà. Catherine Audard, je vous remercie.